Ça y est, le compteur tourne. Florian, nous sommes en direct et je vous salue les amis. Bonjour à toutes et tous. Vous qui êtes là en direct et vous qui écouterez cette action en différé. Eh bien, j'ai de la joie, je suis un peu ému. C'est une première action commune pour le Christ depuis peut-être juin 2022. Et donc, comme j'expliquais à ma dernière émission, j'ai eu l'élan là en ce printemps 2024 de proposer de nouveau des moments d'action pour le Christ. Et voilà, j'ai senti de proposer notamment à Florian de venir participer à cette belle aventure. J'ai redonné dans ma dernière émission d'astrologie la vocation de ces actions d'élévation de fréquence, de réception de fréquences propres à l'ère nouvelle, des actions pour la vérité, pour stimuler nos consciences et marcher vers cette unité de l'esprit et de l'humain. Donc c'est un peu tout ça les actions et donc voilà. Ok. Ben voilà, on a convenu que je commençais à partager le retour de l'expérience. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à 18h30, avec Florian, nous nous sommes reliés par les voies subtiles. Et puis là, maintenant, nous allons ensemble vous proposer la restitution de l'action et découvrir respectivement ce que nous avons vécu, parce qu'on ne s'est pas encore briefé ou quoi que ce soit. Donc c'est une pleine surprise de ça. Je vois vos prénoms s'afficher, je ne prends pas le temps de vous nommer, mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'installe et comme je l'évoque, c'est une première action depuis longtemps. Alors, je sens que c'est comme un premier rendez-vous. Il y a un petit peu il y a de la joie. En même temps, je sens qu'il y a un peu de crispation. Est-ce que je vais capter quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, les premières minutes sont un peu dans cet esprit d'accueillir. Des sensations, des émotions qui sont présentes là. Et puis je me relie à toi, Florian, et je sens tout de suite le lien. Et la première image qui m'est donnée, c'est deux joueurs de ping-pong. Et je vois qu'on échange de l'information, comme une balle de ping-pong. On est chacun. Il n'y a pas d'esprit de compétition. On est vraiment dans l'esprit du jeu. Et au début, c'est l'image que je reçois. Et puis, dans la poursuite de l'action, j'ai toujours de grandes sensations au niveau du cœur et au niveau un petit peu de la gorge, comme si qu'il fallait que je libère le verbe, la gorge, que je libère le verbe, la parole. Et puis, je sens que j'ai besoin de me déplacer dans la pièce, parce que je me suis installé à mon bureau, mais il y a le son, le souffle de l'ordinateur qui est du ventilo qui est assez fort et donc voilà qui me perturbe un peu. Donc je vais me déplacer, je me mets au fond de la pièce et voilà, là je trouve un autre espace et je sens que ok, je peux vraiment véritablement me déposer pour recevoir plus profondément la nature de l'action. Et là j'ai un point de lumière qui s'allume au niveau du pubis du hara. Quelques doigts sous le nombril. Et là, je te vois. On pourrait dire, je te vois là. Je te reçois là. Je te reçois dans mes profondeurs. Et je suis tout de suite, dans ce moment-là, relié à Marie, conscience de la Terre, conscience de Marie. Et je sens qu'il est question de naissance. Et je sens qu'il est question de naissance et d'accoucher. Et ça fait le lien avec les tensions que je ressentais au niveau du verbe, il y a accouché d'une parole de vérité, d'un verbe nouveau. Et donc, je sens que, waouh, ça commence à tambouriner un peu à l'intérieur. Je sens que c'est comme si quelqu'un frappait à la porte, mais de l'intérieur. Et ça bouge fort. Et donc, waouh, ça m'impressionne un peu. Et je reviens sur ce point de contact que j'ai avec toi au niveau du hara. Et je sens que, en même temps que je suis là, on est dans le grand corps cosmique, on va dire, de la mère divine, un peu quelque chose de cet ordre-là. Et que je vois qu'on se déplace dans ce grand corps. Et qu'on cherche quelque part le chemin du verbe vivant.
Et donc, voilà, donc c'est un processus. Et je vois ce point se déplacer, ce point de lumière qui est au niveau du hara, se déplacer un peu sur la droite, un peu sur la gauche, un peu monter vers le haut. Et à un moment donné, je sens qu'il y a comme une grande pression au niveau du cœur, quelque chose qui veut jaillir au niveau du cœur. Et j'entends ce mot, le ressusciter, le ressusciter. Et donc, je sens évidemment qu'on est très en lien avec la Pâque, avec la résurrection. Et je sens que c'est tout. Il y a justement ressusciter le verbe, ressusciter une parole de vérité. Et les mots qui me sont donnés, c'est unité, vérité, amour. Trois mots qui vont venir résonner comme ça. Unité, vérité, amour. Et voilà, je sens que j'oublie rien, mais je sens que c'est la nature de l'action. Et c'est très fort, je sens encore des, comme si ça veut prendre encore plus d'amplitude de ce verbe. Peut-être qu'il y a des éléments qui me reviendront dans quelques instants. Mais je te donne le micro, le bâton de parole, Florian. Super, merci David. Merci de m'avoir invité aussi. C'est dans une parfaite continuité que de venir en ce moment de Pâques, que j'ai passé un très beau week-end et je sens vraiment une continuité. Au moment où je me suis connecté à l'action commune du Christ, j'ai été quasiment instantanément amené dans un temps du futur. Alors, ce n'est pas du tout mon langage et mon vocabulaire, mais aujourd'hui, je vais dire oui à ce qui était là, et c'était une perception plutôt du troisième œil, en tout cas du futur, qui était aussi très corporel. Donc j'avais une énergie très lumineuse qui dépassait mon enveloppe corporelle. Et j'ai été amené comme dans un temps prochain qui pourrait accoucher. Et je te percevais dans un, comment dire, tu étais juste lumière, et j'étais lumière dans un très grand espace et tout était extrêmement dans la paix et la joie. Et cette qualité de paix et de joie, je sens qu'elle n'est pas vraiment disponible tant que ce monde n'est pas accouché. Mais c'était quelque chose qui est au-delà de ce que le mental ou ce que mon système affectif ou du cœur a pu goûter jusqu'à présent. Et je sentais que tous les deux, et parmi tous les êtres humains, c'était une paix et une joie totale d'être ensemble. Je veux dire, cette idée de compétition est complètement dépassée, il n'y a plus rien. C'est vraiment, je sentais que comment dire, le sens de l'existence de l'humain, c'était la tranquillité et la joie. Puis ensuite, j'ai perçu comme une architecture d'un palais cristallin et lumineux, puis la terre qui était très très présente, et ça m'a comme indiqué que toutes ces images parlent d'un monde extérieur et d'un monde intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est qui se passe ça dans mon corps. Et donc, j'ai entendu la phrase, ce palais de cristal est déjà installé sur terre, il est là. Et puis tout d'un coup, aussi bien dans le corps que dans le monde extérieur, et tout d'un coup, j'ai vu la terre-mère qui prenait de la place et qui venait se joindre à ce palais subtil. Et le dense venait se rejoindre dans le subtil et former un nouveau monde. Je sentais qu'à partir de là, un nouveau corps ou un nouveau monde pouvait émerger. Parce que l'architecture du palais a été reçue et dans la terre elle-même, dans la matière elle-même. Alors attends, j'ai pris quelques notes. Et à ce moment-là, oui, mes jambes se sont mises à vibrer. Il y avait vraiment une très très grande puissance et joie des jambes. J'ai vu aussi que ce mélange entre ce subtil et ce dense pouvait engendrer dans nos corps des frustrations ou des frictions, mais que si on osait le oui plein, tout pouvait se faire vraiment harmonieusement.
Et il n'y avait pas, je recevais encore cet enseignement, il n'y a pas de supériorité au subtil ou au dense, les deux sont parfaitement divins et les deux s'appellent l'un à l'autre. Et ensuite, j'ai vu vraiment que c'était inédit, que la suite était inédite. Je ne pouvais pas l'appréhender parce qu'elle n'existe pas réellement. Et donc, c'était... Ça me montrait ensuite, ça m'a dit, c'est aussi cela la Pâque, c'est le mariage entre ce dense et ce subtil qui viennent vraiment comme, ben, tu vois, le mot qui vient, c'est presque comme dans la sexualité, se rejoindre pour donner quelque chose de nouveau. Et ensuite, à la fin, j'étais avec, comment je vais dire, j'allais dire un sentiment, mais ce n'est pas un sentiment, c'était vraiment l'état de joie. Et ensuite, je me suis perçu comme dans un état de complétude nouveau que je n'avais pas goûté jusqu'alors, qui est vraiment un roi installé sur son trône, dans son royaume subtil et dense. Et il y avait une complétude totale. Ouais, c'est ça, la complétude et l'unité. Super, merci Florian. Et je, quand tu parlais de ces mondes subtils, je sentais que ce que j'ai vécu de l'accouchement, enfin il y avait quelque chose d'accoucher, de faire naître, c'était vraiment ce que tu témoignes. Naître à une nouvelle fréquence, et je sens que j'ai vécu très corporellement ce que tu as reçu dans l'image. C'était très physique, c'était trop corporel. Et il y avait vraiment cette réunion, justement, là, maintenant que tu le nommes, du subtil et du dense. Et que cette réunion du subtil et du dense donnait naissance à un nouveau verbe, une nouvelle parole créatrice, divine, et ouais, quelque chose comme ça. Et donc, c'est, ouais, j'aime bien voir comment associer le puzzle de nos actions, de nos ressentis et de notre vécu respectif. Donc, génial, ouais, merci. Oui, tout à fait. Parce que je vois vraiment que c'est très complémentaire et j'étais très étonné que l'élan que j'avais, c'était que tu prennes la parole en premier. Et comme quoi, j'ai vu mon mental, je me suis dit, mais est-ce que tu as peur, Florian? Et puis, j'ai senti, non, c'est de l'élan. Et comment c'était très physique chez toi, et d'habitude, chez moi, c'est très, très physique. Là, ça l'était un peu moins, c'était plus subtil. Voilà, je suis toujours aussi émerveillé de voir cette perfection de cet accomplissement, quoi, j'ai envie de dire. Génial. Bon, bah super. Je profite pour saluer un petit peu les personnes qui sont là avec nous. Geneviève de Corse nous a rejoint, Marie-Odile, Colette, Lindy, Huguette, Chloé, Laurence, Ethel, Claire, Monique, Martine, Anna, Geneviève, Najat, Martine, Caro, Marie-Paul. Et Geneviève encore. Donc plein de monde en direct. On est 50 en direct. Donc ça fait chaud au cœur. Et je sentais que vous étiez totalement associés aussi avec nous pendant l'action. Vous qui écoutez, qui êtes présents pour les actions. Donc merci beaucoup. Voilà. Concrètement, ben avec Florian, nous, on va se retrouver une fois par mois. Et moi, je vous retrouverai une fois par semaine pour une action. La semaine prochaine, je la proposerai avec Ophélie. En principe, hein, nous ferons une action depuis la Sainte-Baume. Ça, c'est sûr que nous serons à la Sainte-Baume puisque nous cuisinons pour un séminaire qu'anime Marie-Odile et nous faisons la cuisine là pour deux regards de vérité. Et donc, il y aura un intermédiaire entre les deux regards qui devrait nous laisser un espace pour proposer en direct une action commune pour le Christ qui aura donc lieu une fois par semaine. Une fois par semaine, en principe le mercredi. Mais voilà, il y aura plein d'exceptions et aujourd'hui en est une. Et c'était beau pour commencer le lundi 1er avril, une nouvelle action. Et donc, un grand merci pour vos présences. Merci Florian aussi pour avoir dit oui pour ces rendez-vous. Et puis, ben, moi, je vais vous souhaiter à tous une belle soirée, une belle fin de soirée, de week-end pascal, dans cette belle énergie, fréquence de la résurrection du Christ en soi. Donc, merci à chacun. Florian, tu veux ajouter peut-être un mot pour finir ou comment? Allez,
Je me revenais en tête quelque chose que j'ai pas dit à la fin, c'était très beau, quand ça m'a montré « c'est aussi cela la Pâque », j'ai vu ce lapin en chocolat apparaître, la chose qu'on fait, je veux dire que beaucoup de parents font en ce moment, et avec la notion du jeu, et encore, c'est très insistant sur la joie, comme ce subtil qui rejoint le danse est extrêmement joyeux et léger. Voilà, j'avais envie de revenir avec ça, c'était cette presque ce jeu enfantin, mais pas si enfantin, c'est plutôt dans l'énergie pour moi de Pâques et aussi l'énergie du cœur innocent. Voilà, j'avais envie de terminer avec ça et vous dire à bientôt. Et merci encore, David, pour cette proposition. Merci. Avec grande joie. À bientôt, merci encore les amis. À tout bientôt, belle soirée. À bientôt. Ciao, salut Florian.